Salut à tous, c'est Bysanka, donc aujourd'hui on se retrouve avec des chaleurs de fou, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur deux nouveaux teasers pour la prochaine saison sur Fortnite. On a la map à moitié camouflée, mais on a aussi le château qui devrait être le lieu du Dr Doom. Donc je vais vous montrer tout ça, on a déjà vu pas mal de choses via le trailer qui est sorti il y a deux jours. On a eu un petit teaser déjà hier que je vous ai montré en vidéo. On fera comme d'habitude, une petite vidéo sur chaque teaser avant l'arrivée de la nouvelle saison. En tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like qui fait plaisir, vous abonner pour rien louper de ce qui va arriver par la suite. Et gros merci à tous ceux qui me soutiennent avec le code BYSANKA dans la boutique, ça fait super plaisir. Donc aujourd'hui, deux nouvelles images, deux nouveaux teasers entre guillemets sur la nouvelle saison qui arrive le 16. Je vous remets rapidement le teaser qu'on a eu hier du Dr Doom, donc Dr Fatalis, qu'on a vu évidemment dans le trailer qui est sorti il y a deux jours. Donc première image, premier teaser qui est sorti, c'est celle-ci. La map du coup de la prochaine saison, avec une espèce de fumée de brume verte qui cache à mon avis les deux prochains nouveaux lieux de la prochaine saison, qu'on a vu dans le trailer, la prison, que je vous mets ici en image, et j'espère qu'on aura d'autres images, peut-être, ça sera peut-être le teaser de demain, d'autres plans de la prison. Et on a aussi la petite phrase du coup que Fortnite a mis sur Twitter, chaque lieu a une histoire, et certaines histoires ne sont pas encore découvertes pour l'instant. Vous pouvez nous aider Marvel, donc encore une fois, une référence à la saison 4 qui sera une saison sur le thème de Marvel. Ça du coup, c'est le premier teaser. Et ensuite, pour le deuxième teaser, ça sera à mon avis le lieu le plus intéressant de la nouvelle map, enfin de la nouvelle saison, et de la map qui a été légèrement modifiée, c'est le château du Dr Doom. Château du coup, qu'on a vu pareil dans le trailer, hein, je vous remets ici quelques images où on a pu l'apercevoir. Là on le voit quand même assez bien. Là aussi, avec du coup le Dr Doom, et ici des plans, des nouveaux skins à l'intérieur du château. Le deuxième teaser du coup qu'on a eu, c'est justement l'image du château que je vous mets ici. Franchement, il a l'air énorme avec la tour en feu là ici en haut à droite, je ne sais pas exactement ce que c'est. Franchement, je pense que ça sera un des lieux peut-être où les gens vont le plus spawn lors de la prochaine saison. Le lieu a l'air stylé de fou, il a l'air énorme. Il y a des chances qu'il y ait énormément de loot à l'intérieur du château. Je vous mets ici vite fait alors une petite correction que je me suis amusé à faire. Voilà, quand même plus joli comme ça, plus de couleurs. Franchement stylé de fou. Donc si on reprend la première image avec la map qui n'est pas dévoilée à 100%, on a dit deux nouveaux lieux, en tout cas deux nouveaux lieux principaux. Soit le château en haut, et je pense que ça sera plutôt peut-être le château en haut et la prison en bas. Après, bon, une chance sur deux, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Mais vu la taille du château qu'on a pu voir dans le trailer, comparé à la taille de la prison pour l'instant, avec le peu d'images qu'on a eu jusqu'à maintenant, je pense plutôt que le château sera en haut et la prison sera en bas. Après, là, pour l'instant, on n'est que sur une théorie. Et comme je vous l'ai dit, j'espère que demain, on aura un teaser de la prison où on pourra la voir un peu mieux.
Et voilà, du coup, on arrive à la fin de la vidéo. Petite vidéo rapide pour vous montrer les deux teasers du jour. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like qui fait plaisir, vous abonner pour rien louper de ce qui va arriver par la suite. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Je vous dis à demain. Bon game et ciao tout le monde.